Salut tout le monde, bienvenue à la saison numéro 4 de Sortez golfer sur la route sur les ondes de TVA Sport. Je vous souhaite la bienvenue là parce que le premier show la semaine passée, c'est comme tourné l'année passée en 2023 en novembre au Mexique. J'avais 30 livres de plus, c'est pas la même année, fait qu'on recommence. C'est le show 2, mais c'est le premier officiellement cette année parce qu'on repart à la conquête des terrains de la carte Sortez golfer. D'ailleurs, merci d'embarquer avec nous autres dans cette communauté-là, la communauté Sortez golfer. D'année en année, ça grossit. Vous êtes de plus en plus d'amateurs et d'amatrices de golf, d'amateurs de golf. Bref, on est bien du monde. Il y a le podcast Sortez golfer qui va super bien. L'émission de télé l'année passée, c'est un grand succès. Merci pour ça. On recommence cette année. On retourne sur la route. Je vous fais le plan vite, vite. On va découvrir des clubs. Je vais vous amener dans des endroits où probablement vous n'avez jamais été, ou moi, j'ai jamais été dans la majorité des clubs où on va cette année. Justine Saint-Martin de retour avec Sortez golfer les filles. C'est vraiment cool ce qu'on vous propose cette année. C'est des rencontres avec des athlètes qui font carrément d'autres choses que du golf, mais qui se sont mis à triper sur le golf. On a très hâte de vous les présenter. Puis aussi, dans tout ça, bien, il y a toujours les conseils de pro et il y a toujours cette vibe-là, cette ambiance-là, Sortez golfer partout où on passe. On est en Montérégie, on est à Saint-Ours, on est au club de golf Les Patriotes. On va rencontrer Benoît, on va rencontrer Jonathan. Bref, ici, c'est la famille avant tout et c'est comme ça depuis à peu près 16 ans. Je vous amène avec moi sur la route à Saint-Ours, au club de golf Les Patriotes. Sortez golfer, vous n'allez pas le regretter. Ça prend ton sac, tes balles, tes souliers. Sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu en fait, beaucoup de pratique, mais un coup que t'as commencé, tu voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah ouais, au champ de pratique, c'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que sans malaise. J'ai pas dit que c'était facile, mais y'a rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un 9 ou un 18, les paris sont ouverts. Tu vas vouloir y retourner, même en hiver. Sortez golfer. Fait que là, à gauche? Ouais, un petit peu à gauche. Bravo! OK. J'ai vraiment l'air de savoir ce que je fais, là. Ça va être censuré. On a un trou de jouer. Les verres sont incroyables. Vraiment, c'est le fun de commencer une ronde et voir un trou numéro 1 avec des verres de cette qualité-là. Vraiment, bravo. Très heureux de les avoir avec nous autres cette année sur la carte Sortez golfer, le club de golf Les Patriotes. C'est un retour, c'est un club qu'on vient visiter, Sortez golfer, pour la première fois. On est avec Benoît, Jonathan. Benoît, fais-moi un peu la petite histoire de votre famille ici à ce club-là. Ben nous, ça fait 16 ans qu'on est propriétaire. OK. Le terrain existe depuis les années 70. Quand même. Le par 3. Parce qu'on a un par 3 plus un 18 trous. Oui, on va aller voir tantôt. En 70, ils ont fait le par 3. C'est de la famille Ménard. Ils ont vendu à M. Poisson, qui a fait en 90 le premier 9. OK. Puis début 2000, ils ont fait le deuxième 9. Puis nous, on est acquéreurs depuis 2009. Qu'est-ce qui vous a amené dans le golf, puis particulièrement ici à Saint-Ours? Moi, j'étais en politique pendant 10 ans. OK. À Saint-Charles. OK, c'est deux mondes complètement différents. Ouais, deux mondes, mais ah oui. On était à la mairie, puis un conseiller, puis moi, j'étais maire. OK. On a décidé de se partir, vu que la politique était finie, bien, on a décidé d'acheter ici à Saint-Ours. Sous les conseils des propriétaires, on a décidé de jouer le deuxième trou. Explique-nous un peu quel genre de trou ici, parce que là, j'ai eu une décision à prendre là, avant de sélectionner le bâton. Bien, le deuxième trou, dans le fond, le green, on ne le voit pas. Là. Il est en descendant vers la gauche. Okay. Donc, idéalement, c'est de l'envoyer sur la butte, puis le deuxième coup, sur le green. Là. Un coup, ça, je pense pas que ça se fasse. Là. Choisis le fer 2. Oh, c'est beau, ah, Joe! Parfait, ça. C'est ça qu'il faut faire.
En plein centre de l'allée. Ah oui? Ah ben, oui? C'est ça. Ça, c'est un bon coup, ça. C'est pas long. Oh, je suis super à l'aise. Je suis vraiment... Ah! C'est pas long. Non. Ça sera pas long, je vais l'avoir. Coupé. Ici, bon. Attends un peu. Sérieux. OK, on part. Ah, vous êtes là. Vous savez, c'est pas toujours facile de jouer au golf. C'est vraiment un très beau club. Joe, t'es surintendant ici. Ouais. Parle-moi du club, du terrain. C'est quel genre de terrain de golf? Ouais, ben moi, ça fait 3 ans que je suis surintendant ici. Tu vois, comme vous pouvez voir, les greens, ça coche. Cette année, vraiment, sont toutes revenues parfaites. Cette année, je mets beaucoup d'énergie dans les départs, dans les frees. Ça va vraiment être un beau club. Là, on essaye de l'amener une coche au-dessus cette année. Ouais. Puis ici, vraiment, là, tu sais, vous le voyez en arrière, là, c'est des longues distances, c'est grand, t'es en forêt. Toutes tes games vont être différentes, là, tandis qu'un club en ligne droite, bon, ça va être à peu près toujours le même score aussi. Là. C'est de la job, l'entretien de terrain de golf. On le sait, les surintendants au Québec, c'est des heures de fou. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te passionne là-dedans, dans entretenir le terrain? Bien, étonnamment, avant, c'était... Bien, moi, j'ai commencé à jouer au golf ici. Avant, ça ne m'intéressait pas. Finalement, j'aime beaucoup jouer au golf, c'est à partir de ça. Puis après ça, bien, ça a l'air fou, mais faire pousser du gazon, c'est devenu le fun. C'est rendu vraiment un défi, là. Ouais. Tu sais, t'as un green qui est magané, tu fais pousser du gazon, tu mets ton engrais, tu mets ta potion magique, puis finalement, au bout de 2 semaines, il est revenu comme si de rien n'était, là. C'est ça qui est le plus le fun, au final, là. Pas t'accrocher là-dessus. Écoute, moi, il y a 30 ans, j'ai été opéré dans la cheville. J'ai été un an, jour pour jour, dans le plâtre. Ça m'a pris 10 ans à réapprendre à marcher. Puis, entre-temps, j'ai eu un cancer. Fait que je pouvais plus faire grand-chose, tu sais. Puis j'ai rencontré un pote, Étienne, qui m'a vraiment donné une vibe écœurante au niveau du golf, puis tout ça. Puis je trouvais tout le temps que c'était un sport de pépère, tu sais. Jusqu'à temps que je commence à frapper une balle, puis 2 balles, puis je disais, hey, c'est pas facile, pas facile. Puis après des milliers, des centaines de milliers de balles que j'ai pu frapper depuis, ça fait quoi, 6, 7, 8 ans. Mais je me retrouve ici aujourd'hui au paradis du golf avec une équipe extraordinaire qui me font vivre un rêve que j'aurais jamais imaginé vivre avec ma conjointe qui est ici, qui, elle, a besoin de se reposer. Puis moi, je trippe. Je suis vraiment au paradis. J'ai jamais été aussi en forme que ça, puis heureux de vivre. Puis je vis un rêve, en fait, là. Merci beaucoup au golf. Salut tout le monde, capsule sortez golfer les filles. Cette année, on fait les choses différemment. On a décidé d'aller rencontrer des athlètes professionnels qui jouent aussi au golf. Et on commence la saison en rencontrant 4 joueuses de hockey. On va aller voir comment elles se débrouillent sur le terrain. Catherine, première partie de l'année. Oui. Comment ça s'est passé? Golfeuse débutante, mais quand même, il y a du potentiel. Bien, je t'avoue que j'avais vraiment une bonne teammate, là. Karel était vraiment bonne, fait qu'on jouait plus sa balle, fait que ça me donnait un petit peu plus de confiance, mais c'était vraiment le fun. Pas sûr que tu veux finir ça. Donc, comment le golf est arrivé? T'sais, je sais que tu joues pas souvent, tu commences, mais comment l'intérêt est venu? Je veux dire, tu sais, de jouer au hockey, c'est vraiment un sport intense, puis tout ça. Tandis qu'au golf, tu veux comme plus relaxer, tu veux prendre plus le temps, genre, d'être dehors. Puis maintenant, c'est pour ça que je joue au golf. Là. C'est vraiment pour prendre l'air, puis de aussi changer les choses, de pas toujours faire le même sport, puis tout ça. C'est fun. C'est-tu plus difficile que tu t'attendais? Oh mon Dieu, c'est tellement dur! C'est vraiment dur. Tu sais, c'est vraiment technique, le golf. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant technique. Dans ma tête, je pensais que ça allait être comme les autres sports. Tu sais, que tu y vas fort, puis ça marche. Mais oh my God, c'est pas ça pantoute. La compétitrice, comment elle réagit? Mon Dieu, il faut comme que je déplogue mon cerveau puis je me dis ça, c'est juste pour le fun, tu sais, c'est vraiment pas grave. Je commence. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est sûr que des fois, je suis comme
c'est dur, mais j'aime ça, c'est le fun. Faut se parler. Oui. Mais moi, je dis souvent qu'il faut apprendre à aimer nos mauvais coups au golf, sinon t'auras jamais de fun. Parce que t'en fais bien plus souvent que des beaux coups qui te donnent le goût de revenir. Oui, oui, je suis tellement d'accord, c'est vrai. Tu joues avec ton agente aujourd'hui aussi, avec Karel. Est-ce qu'elle t'a donné des bons conseils? Ou... Oui, oui, Karel, elle est vraiment bonne. Donc, puis elle est vraiment bonne côté de technique aussi. Donc, elle me disait comment placer mes pieds, comment placer mes mains, puis ça m'aidait vraiment. J'étais vraiment impressionnée à quel point que de changer comment ton pied est positionné peut t'aider à frapper la balle tellement loin. Alors, c'était vraiment le fun d'avoir ses conseils. C'était le fun. C'est drôle, hein, parce que plus que je viens jouer, plus que je réalise à quel point c'est le fun de juste être dehors. T'sais, nous, on joue dans une aréna, on joue à l'intérieur. T'sais, on peut pas vraiment profiter de la température à l'extérieur. Puis juste d'être grindé, je veux dire, juste d'être sur du gazon avec tout le beau paysage. Je veux dire, ici, c'est tellement beau, c'est incroyable. C'est vraiment différent, mais ça reste que tu te connectes avec quelque chose de différent, t'sais, la nature. Avec... Puis t'sais, tu peux même le faire en tant qu'équipe. Nous, aujourd'hui, on était en équipe, on était deux, puis t'sais, on voyait la complicité. Puis t'sais, fait que ça me ramenait aussi au jeu d'équipe en tant que joueuse de hockey. Donc, mais c'est tellement un beau sport que tu peux jouer longtemps que je pense que ça serait parfait pour n'importe qui. Mais c'est un sport que tu peux jouer avec différentes générations aussi. Oui, c'est ça qui est le fun. Exactement. T'sais. Tu vas peut-être pas nécessairement jouer au hockey avec ton père, ta mère, non. Mais au golf, tu peux aussi. C'est vrai. Tu peux partager ces moments-là. C'est vrai, oui. Non, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. C'est un bon point. Bon point. Bon point, écoute. Oui, on retrouve toujours les coéquipières sur le terrain. Vraiment, on l'a vu toute la journée. Mais lâche pas le golf. Merci. Même non. Si le hockey est la carrière principale, peut-être qu'il y aura une après-carrière. Oh my God, on va travailler fort. Merci. Bonne saison. Merci. Le game. Le game. Vous savez à quel point chez Sorté Golfiste, ce qu'on essaie de faire, bien, c'est de faire la promotion du golf chez les plus jeunes, chez tout le monde, en fait, mais tu sais, de les partir jeunes. Ici, au Patriote, à Saint-Ours, il y a le 18 trous, normal, mais il y a aussi le 9 trous, qui est un normal 3, qui est un normal 27, en fait. Je trouve ça merveilleux. De un, c'est le seul en Montérégie, puis de deux, c'est tellement important. Tu sais, mon petit gars a 4 ans présentement, puis il me demande tout le temps, « Papa, quand est-ce qu'on va jouer ensemble? Quand est-ce qu'on va jouer ensemble? » Ça manque d'endroits comme ça, puis ici, il y en a. Trou numéro 1, 135 verges. C'est parfait pour commencer ou juste venir pratiquer les fers courts. Super produit, vraiment, bravo! Le golf a beaucoup changé à travers les dernières années. Il y a plusieurs jeunes golfeurs qui se sont greffés. Tu as parlé du par 3 tantôt. Quelle belle occasion de mettre les enfants au golf, le par 3. Ah, le par 3, c'est un bel atout. Là. D'autres, les jeunes en bas de 12 ans, c'est gratuit. Wow. Donc, ils peuvent venir apprendre à 10 ans, venir apprendre avec les parents. Les personnes âgées ils commencent à quitter les, gros, ouais. Les grands golfeurs. Donc, les jeunes, il faut les amener. Ah oui, absolument. Puis nous, au niveau de, je pense, c'est peut-être 50 % de la clientèle, c'est des jeunes. Tranquillement, là, les jeunes prennent la place. Puis le par 3, ben, ils aident à ça aussi. C'est un bon contact. Oui. C'est tout le temps, Mme Carreau. Tendance, là. C'est beau. Wow! Belle shot, ça. Avez-vous des amis du travail ou... Non, c'est des amis de sport. Mes amis de sport. De secondaire et de volleyball. C'est vraiment un verre de champagne tatoué sur le bras. Oui. C'est incroyable. Oui, ça, là, ça représente mon amitié avec mes amis de filles que j'ai depuis que je me tiens avec eux autres. On a 5 ans d'âge. Wow! Qui y avait? Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, bonne soirée! Hey, bye! Salut! Salut. OK, 585 verges, normal 5, quand même droit. J'aime ça, des trous comme ça. Faut que je mette dans le parc. Mais... Juste pour la raide de mobilette, ça vaut la peine. Où est-ce que je vous dépose?
Après 9 trous de jouer au club de golf des Patriotes, constat, c'est un super beau club de golf. Les verts sont exceptionnels. C'est pas très long, mais c'est pas grave parce que même dans l'arrière, des fois, faut bien regarder la carte puis les trous, comment sont faits pour pas, du coup de départ, si on prend le bon numéro 1, se mettre dans le trouble. Ça te force à prendre des décisions. Les normales 5 sont pas évidentes. C'est un bon défi de golf, mais moi, ce que je retiens... d'ailleurs, j'ai pas réparé ma marque de balle. Ça, là, ça devrait être 3 ans de prison, généralement. Alors voilà, elle est réparée. Mais non, la grande, grande qualité ici, c'est les verts. Pour vrai, là, vraiment surpris. Bravo, Joe et toute l'équipe. OK. Boy. Bonjour, bonjour. Salut, Patricia, ça va? Ça va bien toi-même? C'est vraiment beau ici. Merci beaucoup. Comment ça a été ta partie? Très bien. Oui? J'ai mangé tantôt, la cuisine est super bonne. Bravo pour le club sandwich. Merci j'ai beaucoup. Soif. C'est donc bien cool que vous ayez plein de gin comme on ça. On en a beaucoup, hein? T'as vraiment plusieurs choix. J'aime beaucoup le Kepler, mais le ginette, il vient de la place. Hein? C'est exactement, un gin de Sorel. Exactement, c'est un gin de Sorel Tracy. Bon, mais allons-y avec le gin du coin. OK. Gin. Puis je te le sers avec quoi? Gin tonic. Parfait, ouais, je te fais ça tout de suite. Prendre ça pour souligner ma piètre performance d'aujourd'hui. On est donc! Ah non! Voyons. Ah! Eh bien, bonne dégustation. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Et voilà. Oh, pas de paille, c'est bon. Merci, ça va être comme ça. Moi, j'ai vu ça sur le site web. J'ai assez hâte d'essayer ça. C'est niaiseux, là, mais pour l'image, ça fait comme, hey, regarde, on va avoir du fun quand on va aller au Patriotes. Comment ça s'appelle, ces affaires-là? Il y a deux trucs, là. Commençons par ça. Ça, c'est un skate golf. OK. Donc, c'est le même principe qu'un skate. Oui. Sauf que il n'y a pas de guidon. C'est vraiment avec le poids qu'on tourne à droite ou à gauche. On l'a vu sur les images, j'étais super à l'aise. Dans les premières secondes que j'ai embarqué dessus, là, c'était... Si vous avez filmé Jonathan, là, vous voyez que c'est super facile. Puis... Mais pour vrai, t'sais, deux trous, puis t'es habitué, mais à quel point ça a changé la clientèle ici, ça? Ben, ça nous a attiré beaucoup de jeunes. Ben, c'est ça. Vraiment, c'est... dans les 3 dernières années, là, qui réservaient juste pour ça. Puis souvent, au clubhouse, ils le demandaient. C'est la première fois ici, puis je dirais que 85% du temps, le monde qui réservait les skates ou les scooters disait oui. Il y en avait de Montréal, il y en avait de partout. Là. C'est un super beau produit. Voiturette ou ça, as-tu une différence de prix? Non, c'est vraiment le même prix. Que tu partes en scoot, en skate ou en voiturette, là, c'est pareil. Ah, parce que ça, c'est une expérience complètement différente. Puis là, j'ai vu ça aussi. Ça, c'est vraiment sharp. Là. Ben, c'est sûr, c'est... les jeunes les prennent, mais les personnes avec un plus d'âge. Plus âgées, oh, plus âgées, oui. Oh, prendront pas ça. Pas là. Dessus, là. Non, non, c'est ça. Ils vont plus prendre ça. Donc, la clientèle est plus âgée ici. Mais ça va quand même assez vite. Tu l'as peut-être pas essayé tantôt. Pas encore, mais ça me tente, à l'essayer, là. Mais tu vas vraiment trouver ça cool. Là. Je trouve ça vraiment le fun. C'est des belles innovations. Bravo pour ça, les gars. Allez, merci. Je me sens comme mon grand-père au foyer. Il n'y a même pas de klaxon. Oh, toi! Salut tout le monde pour la capsule enseignement et technologie cette semaine, toujours à l'Académie de la Vallée du Richelieu, en collaboration avec Goffin. Mon ami Marco Place, comment ça va? Ah, ça va super bien, toi? Là, il y a un gros sac, fait que t'as de la place pour mettre ça dedans. Exact. C'est quoi ça, là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un outil de potting, on appelle ça le Perfect Potter. OK. Fait que c'est un outil, on peut entre autres s'en servir comme stem meter, mais on peut aussi s'en servir pour travailler nos lectures de verre. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Ouais, parce que souvent, on n'a pas une bonne conception de où la balle s'en va. Hein? Exact. Fait que la plupart des gens, en général, quand on a une leçon et qu'on parle de lecture de verre, la plupart des gens, surtout ceux qui débutent, vont avoir tendance à pas jouer assez de courbe sur un pot. OK. Donc, sur la majorité des potes, si un pot tourne de 2 pieds, les gens vont avoir tendance à jouer même pas un demi-pied. Donc, ils vont toujours arriver en bas du trou. Donc, ça diminue de beaucoup les chances de caler un pot. Donc, ici, on a installé une petite station ici pour représenter un visuel comme ça. Donc, comme on peut le voir ici, Max, on a le Perfect Potter qui est installé vers un trou qui est là. C'est un pot qui tourne de la gauche vers la droite. Puis, on a installé un tee, là, juste ici. J'ai installé un tee où la plupart des gens, habituellement, quand je donne des leçons, enlignerait ce pot-là environ sur le tee qui est près du trou, comme ça. Ça ressemble à ça, je te dirais. Ça ressemblerait à ça. Ah, c'est ça. Donc, ce qu'on va voir, là, puis là, j'ai placé un autre tee. Le tee à gauche,
c'est le tee où il faut viser, en fait. Donc, ce tee-là... Après l'avoir essayé, on a installé la station, ouais. On l'a testé. Ce tee-là est environ un pied à gauche du trou, ce qui est beaucoup. Les gens, en général, ne s'aligneront pas un pied à gauche. Puis ce qu'on peut voir ici, à l'aide du Perfect Putter, c'est si on place le laser comme ça, comme vous pouvez voir, le laser en ligne directement sur ce tee-là. Donc, si on fait rouler des balles vers ce tee-là, comme on peut voir, c'est la bonne ligne. Donc, ça donne un bon visuel pour comprendre vraiment à quel point les potes tournent et vous pratiquez ces lectures. Ça, c'est le genre de truc pour s'entraîner que plus tu vas le faire, plus ton œil va s'habituer aussi, j'imagine, à ces mauvaises lectures-là qu'on a. Absolument. Puis, je recommande aux gens de frapper des potes en plantant des tees pour se donner des visuels. Ouais. Puis après ça, se reculer derrière le pote, puis de re-regarder la ligne, puis d'essayer de faire une analyse, puis de s'ajuster. Ça s'appelle le Perfect Putter. Exactement. Merci, Marco. Merci, Max. Il y a bien des affaires que j'ai aimées du club de golf Les Patriotes, mais je te dirais que la mobilette, c'est mon coup de cœur. Souvent, j'aime ça marcher. Je veux pas jouer en voiturette. Techniquement, c'est comme pas jouer en voiturette, ça. Merci à Benoît, merci à Joe, merci à Geneviève, à toute l'équipe ici au club de golf Les Patriotes de nous avoir reçus. C'est un endroit vraiment convivial. Je suis content d'être venu à Saint-Ours pour découvrir ce club-là. J'espère que vous allez faire la même chose. Allez aimer notre chaîne YouTube. Tout ce qu'on a fait dans le podcast, dans le show télé, tout est là. Vous allez pouvoir voir toutes les vidéos, tout ce que vous avez raté des 4 dernières années de Sortez Golfer. Bien, ça se retrouve là. Puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. On s'en va ailleurs au Québec, sur la route, pour Sortez Golfer sur la route. Salut tout le monde, bon golf!